Nous sommes dans les bois où il y a du cèpe. Le cèpe est déjà sorti, ça fait 4 jours. Je suis allé au cèpe. Mais il y en a encore qui sortent toutes les nuits. Regarde. Tu vois ça? Et voilà là. Et voilà lui. Il est sorti cette nuit. Ou la nuit dernière. Et celui-là cette nuit. Tu vois? C'est pas des blagues. Hein. Il y en a dans le bois. Et il y en a encore un gros là. Qui a été attaqué par les. Les limaces, celui-là je vais le laisser, celui-là je ne vais pas le prendre. Voilà. Mais voilà, tu le vois les deux là, ce qu'on venait de voir. Allez, je le ramasse. Alors lui, il faut y aller à la cuillère. C'est pas au couteau, c'est à la cuillère. En bas, il a son cèpe. Il n'a pas besoin de laisser le pied. Le pied c'est le meilleur dans le cèpe. Voilà. Dans le cèpe, c'est le meilleur le cèpe. Le pied. Donc on le nettoie comme ça. Voilà, tu enlèves le pied. C'est pas grave le pied. On s'en fout du pied. Tu n'as pas besoin de le remettre. C'est des conneries ça. Le mycélium, il trouve un canal pour sortir, c'est tout. Tiens, regarde. Il est venu tout seul. Il n'est pas beau. Voilà. Cèpe. Quand ils deviennent gros, ils deviennent gros. Quand ils sont dans ces gourdes, ils sont gourdes. Allez, fais comide. Non, vous pouvez gagner. T'as chier de mosques. Allez. Oh. Et c'est ce qui n'en foron collectés et qui déjà passaient. Mais aí, oh. Esse aí é bom. Esse aí pequenininho no fundo também. Tu vois, il y en a partout. C'est dommage, c'est tard. Voilà les meilleurs. Les meilleurs parce que regarde. Regarde, au pé dele. Olha só. Mas aqui embaixo não é agulha, é parece um tecido, você viu? Ça c'est le bombolé ça celui-là. Tête de nègre par excellence, naissant. Voilà. On va le nettoyer et on va le garder. Aïe. Direct. Droit devant. Droit devant, mes amis. Voilà un petit cèpe de service. Je vais me prendre ce bouchon. Voilà. Regardez. Regardez son pied. Regardez le pied qu'il a. Mais regarde, mon ami. Il n'est pas beau celui-là? Tu veux un beau champignon? Regarde ma main. Il est petit, mais c'est une merveille. Aïe. Ok. Tu veux un petit enterrado. Et ici, oh. Regardez la bamboya que j'ai trouvée. Regardez. Voilà. Je vais ne prendre que l'eau. Regarde ça. Allez. Il n'est pas beau celui-là. Maravilha. São os cogumelos. O caramujo aqui. Aí, ó. Le beau cèpe blanc. Oh blanc. Oh louro! Onde vai louro? Oh louro! Oh doido! Tá bonito! Aí! Olha o calor que fez com as formigas, termitas, tudo que tem. Cupim. E aí, ó, o majestoso. O majestueux. Ó! É pra bom, lui? Ah! Que é bom. Você viu? Maravilha. É isso aí, meu. Um bom peso.
Ouais, celui-là il a pas été cueilli à temps. Voilà, il n'en faut écolier en tempo. Então, pouco passado. Mas aqui tem pequenos que sofreram com o calor e que também o caramujo atacou na cabeça. Pequenininho, bonitinho. Eu vou guardar. É bonito. É um mato. Olha esse tamanho aí. Ó. É. Pas cueilli à temps, un peu trop gros, mais bon à prendre quand même. Non, pas cueilli à temps. Non, est colli d'un tempo. Non, est bon. Aïe, oh. Un bonzinho. Maravilha. Isso é bom. Isso é legal. Oh. Não foi atacado, nada. Ele é perfeito, resistente. É uma outra variedade que fica verde embaixo. Quando não é colhido em tempo é foda, né? Olha quando você pá cria tão. Olha o monstro. O monstro de Loch Ness. Olha. Olha a humidade, ela était maximum. Em très peu de temps, eles ont tourné, eles ont gonflé comme des monstres. Olha o massacre. Qu'est-ce que faire ça? Mas ele é bom. Hein? Ele é bom à manger celui-là. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un cep pas ramassé à temps. Voilà. Um desses cogumelos que não foi colhido em tempo. Olha só, o tamanho dele, ali, esse já tá velho, mas é, que pena, né? Ali, foram comidos, mas eu vou comer alguns, esse aí tá lá no fundo, tá bom, ó. Você viu? Olha, tem dois, tem um na frente e um atrás, que perfeito. E tem também um lá. C'est la même variété, hein? La même variété, même si tu as un vert en bas. Allez. Esse aí não é mal. Esse é bon. Eu vou pegar. Isso de. Eu passei na frente e eu não vi. Primeira vez. Allez, imparfait, regardez. Celui-là, il est parfait. Celui-là, c'est la classe totale. Regarde ça. Il est frais de chez frais. Je vais le détacher. Para não ele se quebrar, porque é frágil, é melhor recolher todo o pé, que é o melhor. Eu vou limpar ele. Vou mostrar para vocês como é que eu limpo. De novo, para você assistir. Tá duro que parece um. Não, não tá duro não como um. Eu vou falar mandioca, mas parece, né? On dirait le manioc, mas c'est pas du manioc. É, oui, o Brasil, ils vont délirer. Olha só, que lindo. Olha só. Ça, c'est du cep, mes amis. C'est pas de la tarte. C'est du cep à mettre à la poêle avec du beurre, du persil, du sel de Guérande et rien d'autre. Pas de ail, pas rien. Allez, un peu de marjolaine et un peu de thym, mais alors très peu. Voilà, ça va dans mon panier. Déjà, je vais tirer celui-là déjà. Je suis au début de ma cueillette. Il fait pas beau, il va pleuvoir. Je vais montrer quand même. Oh, c'est pas beau ça? Bien nettoyé. Quer dizer, limpado um pouquinho com a colher, né? Olha só, os dois irmãos. Bonito, hein? Oh, que coisa linda, né? E aí o outro? O outro ainda em terra. Dá pra ver, hein? Olha só. Quem te diria que tá no meio aqui? Vai buscar ele. Vai o trouver.